Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retourne sur Terra Indita avec l'initiative. Et d'abord, je voulais remercier énormément les quelques viewers qui laissent des messages régulièrement. Je pense à Thomas Jocavrouge, je pense à... J'oublie leur nom parce que je ne les retiens pas par cœur. Vargondil, et puis plus récemment, il y a un nouveau viewer qui s'est invité dans cette shortlist, Melvin Pagès. Donc merci beaucoup à vous trois en tout cas, et puis même aux autres, parce que il y en a quand même de temps en temps quelques-uns qui laissent un autre commentaire, qui suivent la série. Ça fait super plaisir, ça donne encore plus envie de vous proposer du contenu de qualité, on l'espère. Voilà, j'adore ce jeu, je pense que vous l'avez compris, et j'aime beaucoup que d'autres aiment bien, et puis en plus vous donner des super conseils par exemple. Alors j'ai pas encore tout à fait recherché le grand califat, mais quand même ça ne saurait tarder, hein, 28 février, donc autant dire demain. Voilà, c'est que je vais pouvoir donner, en fait, faire disparaître la Ligue Arabunie pour la remplacer par le Grand Califat. Et pour ça, bah, je vais. Alors, ceci dit, si je pourrais déjà le faire, je suis en train de me dire, je vais pouvoir donner plein de régions directement. Le Grand Califat, c'est l'extension, pardon. Donc, bon, on va faire ça tout de suite. Non, délai d'attente. Ah, il faut que j'attende le 12 juin. Ah, zut. Je vais devoir attendre un peu. Et puis en parallèle, je vais terminer donc l'Union africaine, puisque je vais terminer le 22 juin, donc autant dire avant-demain, qui va me donner plein, plein, plein de revendications sur la zone africaine. Et là, on m'a conseillé de faire plutôt du boom boom. C'est vrai que c'est plus facile, ça ira plus vite certainement. Que la Confédération lente. De toute façon, c'est des régions qui sont souvent assez instables. Voilà. Et puis, accessoirement, bah, il n'y en a pas vraiment qui ont. Je vais vérifier. Hein. Mais je pense pas qu'il y en ait une seule qui a des armements nucléaires. Donc, je risque pas trop de me prendre un scud sur la tronche. Non, je n'en vois pas. Je ne sais pas jusqu'où ça va s'étendre, l'Union africaine. Mais ça devrait le faire. Voilà, donc un grand merci à vos autres viewers, parce que c'est vraiment cool, vraiment sympa, tous ces petits messages. Et je vais, voilà, je vous disais, hein, je manque juste un peu de temps pour me poser, pour faire une vidéo sur la version 0.4, hein, qui est sortie il y a quelques temps. Mais je vais bien explorer maintenant sur une nouvelle partie avec la résistance, très intéressante dans la mesure où j'ai choisi une optique nettement plus agressive vis-à-vis des aliens avec beaucoup de combats très tôt, donc c'est sympa aussi. Ça me donne des idées pour quand le jeu sortira en 1.0, peut-être quand j'aurai terminé ce let's play, je partirai sur un autre, ou bien peut-être pas forcément un let's play que l'on plaît, mais. Une version peut-être plus courte, qui sait si j'ai le temps de faire du montage, faire enregistrer, et puis derrière ça faire du texte, enfin faire du découpage, du montage, et puis vous montrer que les moments vraiment importants. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de jouer de façon plus dynamique sur une autre partie. C'est vrai que cette partie-là était assez plan-plan pépère au départ. On est resté planqué pendant longtemps avant de partir en guerre, guerre totale, voilà, ils m'aiment pas, c'est pas grave, je les aime pas non plus. Le grand capital vaincra. Donc, allez, on reprend, 16 février, 14 février, donc ça j'ai dû le visualiser déjà. Je dois blinder Ah mais non, attends, c'est là... Je peux accorder l'indépendance, céder du territoire au califat. Bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, donc je dois blinder le Pérou.
Ici, prochain unification 3 que je peux faire. Voilà, je vais faire plein de politique nationale. Allez, on est parti, on fait l'unification. Là, on s'en fout que il m'aime pas. Je vais voir, hein, mais il me semble qu'il suffit que j'en fasse un seul pour. Tac, je crois que si je fais juste ça me suffit. C'est lequel? C'est le Pérou. Est-ce que le Pérou, ça fait partie des candidats à l'unification? Pas du tout. C'est le 28 mai, donc le Pérou, il faut que je le consolide. Tac. Et il me reste Papadachus. Qu'est-ce que je vais faire avec Papadachus? Là, il faudrait du coup que je déclare des rivaux. Sinon, ça va être un peu la même merde. Du coup, bah, la Somalie, en fait, c'est pas du tout une bonne chose que ce soit libre. La Somalie, je vais la confédérer. L'Érythrée, je suis même pas allié, donc je vais la manger. Donc, il va falloir que je fasse des rivaux à tout va. Là, c'est quoi? C'est le Kenya et le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est ici. Ouais. Donc ça, je vais pouvoir facilement et rapidement le conquérir. C'est quand? Quand est-ce que je termine le 22 février. Je pense que si je fais la politique nationale tout de suite, je vais le planter. Alors, ceci dit, si je pourrais faire la déclaration de guerre. Allez. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Hop, et puis Time to make je our verrai move. pour les rivaux ensuite. C'est quoi mes priorités ici? Il faut que je fasse du boost de bien-être en priorité. Ok, totalitaire, insurrection, il va falloir que j'abaisse un peu les énervés. Allez, c'est parti. Quand même, là, ah oui, là j'étais en chasse. Arrivé le 7 mars 2044. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi est-ce que je suis parti aussi loin? Là, je comprends pas ce que j'ai fait du tout. L'orbite extrême, c'est si loin que ça? Peut-être. C'était un peu une connerie. Vous faites quoi? Station Gazor, transfert vers le. Ok. Ma flotte Jupiter, elle était un peu bloquée. Oui, de toute façon, je suis bloqué par mon manque de métaux. On avait vu. Il faudrait que j'arrive à choper. Est-ce que j'ai toujours des Marines autour de Mars? Oui. Est-ce que j'ai pas des spots qui me donnent plus de matériaux. Oui, pardon, je les ai tous. Tempétera. Je suis sur du T3 déjà. Alors, il faudrait que j'aille voir. Ici. Tac. Dans les renseignements, prospection. Tac. Alors, la base Rhodes autour de Psyché qui donne beaucoup. Hop, tout autour de Io, Erta, Hespérie, Io. Ouais, bon, Io, c'est vraiment bien quand même. Mais ça, il faut que j'attende parce que je les aurai pas tout de suite. Ah, autour de Mercure. Mais Mercure, c'est très très cher. Callisto, ouais. Non, globalement, je peux difficilement vraiment booster ma prod. Sinon, il faut que j'aille chercher des petites. Mais bon, ça, c'est un peu pénible. Alors, autour de Io, autour de Callisto, où est-ce que j'en suis? Quand est-ce que je les aurai, mais. Toc. Ce sera opérationnel quand? 27 février. Ah bah tout de suite, très bien. Devrais arriver à augmenter ma production de métaux nobles. Allez, on avance. Ok. Alors,
Ici, j'ai juste à détruire. Hop, hop, hop. Je suis en orbite de ceci. Bah, c'est tout. C'est tout. C'est tout en construction. C'est à moi, ça? Non, c'est à lui. Je vais le détruire. Nano-usine, centre d'opération. Hop, allez, boum. Ah oui, c'est celui que j'avais. Je vais pas m'emmerder. Bim. Allez, ça c'est fait, c'est plus à faire. Lending my expertise. Protecting our interests. Les Marines, du coup, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vous renvoie? Hop, orbite extrême, je suis en train d'y aller. Orbite synchrone. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quartier. Ah, les quartiers, c'est un peu pénible. Les quartiers, il va falloir que je les prenne pour démanteler. Hop. Donc, tu vas aller sur Maya. Maya l'abeille. Marine Stair, date d'arrivée, 2h05. Hop. J'ai vraiment plus du tout de problème d'eau. Hop. Attaquer. Résoluto. Et on va capturer l'habitat. Allez, l'Union africaine, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça. Les super lasers, ok. Empire mondial, non, j'en ai pas besoin. C'est terrible. Alors, je pourrais m'intéresser à l'Indonésie. Parce que c'est quoi ça? C'est l'Indonésie. Kuala Lumpur, port machin, Singapour. Là, c'est la Thaïlande. Recherche d'opération. Qu'est-ce que je fous avec ça? Encore ici. J'ai quand même vraiment plus grand-chose de très intéressant à rechercher. Tiens, il y a un truc. Les différentes torches. Hop. Torche à flux neutronique. Et quand même, je crois en théorie, le meilleur. En tout cas, qui était le meilleur propulseur du jeu. Je pourrais aller chercher. Réacteur à céréales fondues, propulseur à flux neutronique. Hop. Alors, pourquoi Ether? Parce qu'en V04, ils ont changé beaucoup de choses. Alors, je ne sais plus. Celle fondue 2, hop. Et flux neutronique, paf. Allez, on est parti là-dessus. On va chercher le plus cher d'abord. En plus, je recherche déjà plein de trucs. Sur l'énergie. Alors, nickel. Donc là. Donne-moi plein, plein, plein de choses. Tel Aviv. Et laquelle de division blindée? Ah, d'accord, ça c'est mes armées qui sont parties chez elles. C'est peut-être pas une bonne idée, mais gérer Station Maya, on démantèle tout ça. Hop, bim. Les serviteurs n'auront rien. Hop là. Ah. Alors toi, toc toc tom, ah nickel.
Ça me coûte combien? Un bras, une jambe ou les deux? Tac. 160 jours, que de... Oh, que 480 de métal. Et ça apporte quoi? Bah, plein de métal quand même. C'est quand même une très bonne station au niveau du métal. Donc on va le faire. Il faut que j'améliore du coup. Tac. On va améliorer ça et ça tant qu'on y est. Hop. Est-ce que réseau de défense, je n'ai pas fait. C'était peut-être une bêtise. Améliorer en poste de combat. Allez, tant qu'on y est. Tac. Et on verra ensuite. Donc hop, hop. Complexe minier, nanana. Et donc là, c'est des petits ou c'est des gros? Sur Yo, de toute façon, tout est trop cher. Ouais, tout est beaucoup trop cher, il faut rester sur deux. Ça, c'est combien? Ouais, de toute façon, j'ai même pas de quoi. Ce serait 504... Ah non, 15,9k de boost. Et toi, là... Tac. Est-ce que je peux faire quelque chose avec toi? Je pourrais, oui. Ça m'apporte quoi? Plein d'eau. Ah, là, il y a plein de métal précieux. Et le métal précieux, j'en veux. 480. On va déjà faire en sorte d'améliorer. La prod d'énergie, j'aurai ce qu'il faudrait. Et le reste, c'est en cours. Okay. Policy direction complete. Alors, ici, on unifie la Colombie. Le grand califat a terminé la maison de l'islam. Tac, on va aller voir ce que ça me donne comme... comme projet, pas comme revendication. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Alors, donc, toi maintenant, quelles sont tes revendications, très cher ami? Ah ouais, d'accord. Ça va chercher très très loin. La vache. Ça va chercher très 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 loin. Et alors, et pour l'Éthiopie, du coup... Ah oui. Ah oui. D'accord. Ok. Bien. La chose est entendue. Putain la vache. Là, je pourrais choper tout ça. Et pas du tout pété. Mais genre, pas du tout. Ah oui, du coup, ça va même chercher en Indonésie et tout là. Ah ouais, donc ça permettrait... Qu'est-ce que... Je me demande ce que donne... On va voir. Parce que du coup avec justement des projets comme la Grande Indonésie qui permet d'avoir quelque chose d'un peu grand, c'est vraiment le One Nation quoi. Mission complete. Alors l'Éthiopie peut déclarer la guerre au Soudan du Sud, confirme. L'Éthiopie demande oui. Et le reste. Hop. Là, tu vas le faire parce que t'es à côté. Non. Prepping for next mission. J'aurais pu faire recommencer. Allez.
Boum boum. Tac. Et tac. Policy direction complete. Unification. Mission complete. Alors, alors du coup je peux céder du territoire. Ah oui, du coup je pourrais aussi imaginer. D'accord. Donc c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je peux faire ça. Alors, emmenez-moi. Terminé, terminé. Tu m'étonnes que ça s'agrandisse. Et du coup, ouais, voilà, il me reste juste l'Égypte qu'il faut que j'intègre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup comme priorité? Ah oui. Du coup, cette armée-là est passée au califat. Alors là, il faut que je fasse relation. Gérer le califat. Pif. Hop. L'Érythrée va passer en rival. Hop. Ouais, comment est-ce que je vais m'organiser? Quel bordel. Là j'ai 3. Hop, j'ai le bien-être. Oui, du coup ça a un peu foutu le bazar. Là j'ai plein de points en plus. Alors si je commence par faire ça, contrôle de mission, oui. Bien-être, on booste. Et le reste, ça va pas plus. Allez, tac. Inondation, oui, de l'aide. Alors, sur Yo. Sur Yo, c'est du T1, ok. Donc, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Oui, à part que j'aurais pu éventuellement le passer en cœur d'anneau. Non, parce que ça, c'est des automatisés, d'accord. Cœur d'anneau poste automatisé. Automatisé, voilà. Donc là, ça pop dans tous les sens. Bim, plus 610. C'est ça qui est bon. Plus 3K, plus 610. Ici, qu'est-ce que j'ai sur... Hop, je peux l'améliorer aussi, ça me coûte seulement 337. Ah oui, mais c'est tout ce que j'ai. Et donc ça me prendrait 1136 jours, ce qui ne serait pas une très bonne idée. Donc il va falloir ensuite que... Hop, je sais pas trop ce que je vais pour... Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour... Si, il va falloir que je fasse une... Une alliance confédération. En fait, il faut que je fasse sauter. Je sais pas combien je fais. Gérer. Perron. Tout ça, je m'en fiche. Là, ce serait bien qu'il soit plus en rivaux. Comment je fais pour récupérer? Je peux fédérer. Combien est asiatique et l'Inde? Ah, je peux quitter. Il faut d'abord que je quitte la fédération, d'accord. Ok. Alors, Gilles, tu vas juste consolider ça. Dashus. Ready to go. Quitter. Ready.
la Confédération pour redevenir l'Égypte, du coup. Ici. Unification, je peux unifier l'Uruguay. Ici, 103 jours. Le Suriname, si t'es pas allié, ça va être compliqué. Tu vas t'allier avec l'Union Sénégalaise et les États-Unis des fois que on veuille t'embêter. Hop. Parce que tant qu'ils sont alliés, je peux pas aller faire la Confédération, ce qui est complètement stupide. Même chose ici. Le Venezuela. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Gérer. Hop. Tac. Il faut que je consolide les États-Unis d'Amérique du Nord. Tac. Making things safe for our people. Donc là, je vais faire une mission d'unification. Heading to the capital. Standing by. Et Adrien Lounet, qu'est-ce que tu vas faire? Subversion. C'est un peu agité tout ça. Restoring order. C'est un peu agité. Hop. Dans mes gros pays. Là, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ok, donc il faut que j'apaise les tensions en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est MK1 à Mercure. Je me refais une petite flotte Mercure. Qui est encore mineure, mais... Ah, le petit clavier américain qui va bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme construction de vaisseaux autour de Mercure? J'en avais fait qu'un seul, j'en avais eu que trois. C'était suffisant ça. Qu'est-ce que j'ai autour de Mercure comme flotte adverse? Hop. Les 522 ici, il a quoi? Je vais peut-être un peu... Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Bizarre en fait que consulter les vaisseaux et construire les vaisseaux soit au même endroit. J'aurais peut-être pu m'en lancer d'autres quand même. Hein. Ah oui, mais peut-être que j'avais tout simplement pas de quoi le faire. C'est pas impossible. Parce que ça me coûte un peu cher. Je vais m'en faire un petit peu plus. Hop. 5 vaisseaux, ils font combien chacun? 133, ceci dit c'est peut-être suffisant. C'est quand même peut-être suffisant. Je vais attendre 6 jours et puis j'annulerai éventuellement ceux qui sont en cours. Offering counsel. Securing our control. Making things safe for our people. Bah sur Yo, c'est vraiment impossible de passer sur du T3. Oui, ça je me doute, puisque du coup, ils sont plus en guerre. Alors là, pour le coup, sur Callisto, c'est parfois envisageable. Sauf que... Ouais, je suis passé sur du T2 là, c'est ça. Est-ce que je vais avoir suffisamment contre... Oui, largement. Largement. Et
poste de combat, on améliore 304 tout juste. Très bien. Attends, il me reste un là, c'est quoi? Nano-usine, oui. Je peux pas construire. C'est où les trucs de construction? Complète de nano-fabrication, j'en ai un ou pas? Poste de combat. Complète une agricole. Ferme, ferme. Non, je n'en ai pas. Et ça, ça coûte combien? Pas trop cher. 360 jours. Un peu long, par contre. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie? Non. T3. Réacteur à fusion. Ah, zut, il me faut. Faut que j'attende d'avoir un peu de métal. Voilà. Tac. On est good. Où est-ce qu'on est là? Juba, c'est Soudan du Sud. Things are cooling off. Hop, tu recommences, oui, c'est ça. Alors, orbite synchrone de la Terre. Ah, c'est au même endroit. Je comprends pas pourquoi il a mis aussi autant de temps. D'ailleurs, ils font quoi? Ils font rien en fait. Alors. C'est un peu du temps gâché tout ça. Complètement. Logiquement, ils continuent de se reconstruire à chaque fois. 4,4 heures. Hop. Tac. Ah, j'ai pas assez. Il faut que j'aille me réapprovisionner. Partageons le propergol. Non, tac. Hop. Ouf, je vais quand même d'abord aller le faire se réapprovisionner. Hop, orbite 2, non, tac. C'est une blague? Barbarossa. Et bingo. On va reprendre un peu de carburant. Alors, est-ce que toi... Tu serais t'es à combien? 299? Allez. Moi je dis... Là c'est quoi? C'est 522... 90. Ah oui, ceux-là ils sont tout cassés. Hop, allez. À l'assaut. On en a gros. Bim. Oh, il cherche à s'échapper. Si je fais ça. Ouais, il me reste. Allez, réseau l'auto. Bim bam boum. Hop. Voilà. C'est fait, c'est plus à faire. Continuez. Les chasseurs. Tac tac tac. Les chasseurs. Hop. On détruit la station. Bim. Et on rentre à la maison. On rentre à la maison. Sauf que on n'a plus de jus pour le faire. Si, tout juste. Alors, flotte Mercure, tu vas. C'est la.
Pas de perc. Hop, le plus simple, c'est ça. Hop, 1,6 minutes. 0,56. Tac. Hop. Répare-toi. Les Marines, c'était tant de choses à gérer. Hop. Là, on va. Extrême. Voilà. 1,26 jours. Bon, en fait, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant et pas super utile. Voilà, je sais que de toute façon, il pourra pas faire grand-chose, mais en fait, à chaque fois, il va se reconstruire. Donc, il va arrêter de chercher à tout détruire systématiquement. Autour de Callisto, bah, c'est bien, c'est plus vraiment utile, mais... -40, ouais, tout juste. Qu'est-ce que je peux améliorer? Là, j'ai terminé le module de construction. Nano-usine. Hop. Du coup, il va falloir que j'améliore. Un réacteur. Mission complete. Unifié. Hop, hop. Policy direction complete. Alors, là, je veux quitter la Fédération de la Ligue d'Arménie. Hop. We'll be ready for new orders soon. Voilà, et du coup, je vais pouvoir l'unifier avec le califat. Notre Mercure, on va terminer le nettoyage autour de Mercure. Hop. Et me détruire tout ça. Genre, il peut s'échapper, quoi. Boum. Merci. Non, pas celle-là. Ils sont loin en vrai. Vache. Alors, ensuite. Autour de... Non, c'est ça que je veux faire. Est-ce que j'ai des choses autour de Vénus? Non, ça tombe bien. Là, il faut que je vérifie que j'ai pas d'habitat non plus. Donc du coup, là, une petite alerte, s'il te plaît, merci. Terre, c'est bon. Lune, c'est bon. Astéroïde du système interne. Ok. Mars, tout va bien. Ah. Alors, ceinture, terme d'astéroïde. Je peux y faire quelque chose. Flotte Mercure. Donc là, il faut que j'annule mes constructions. Autour de Mercure, je n'en ai clairement pas besoin. Est-ce que je vais pas pouvoir le faire transiter, je pense. Est-ce que je peux aller jusqu'à Vénus ou pas? Sauf qu'à Vénus, j'ai rien. Non, j'ai plus rien sur Vénus. J'ai combien? 17,3 de delta V, je vais pas aller loin avec ça. Là, il me faudrait 17,7. C'est con, c'est quand même pas très loin. Il faut juste que j'attende un moment un peu plus propice. En orbite extrême même. 18,4. C'est quand même vraiment bizarre. Là c'est 17,6. Soleil Vénus. Ah si, là je peux aller à Soleil Vénus à l'I3.
L2 et L4. Hop, on peut même y aller en économisant du delta V. Est-ce que je peux aller à proximité de la Terre? Je ne pense pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai demandé la Terre. Donc je vais l'envoyer autour de Vénus, celui qui est le moins cher. J'ai même pas regardé, il arrivera quand? 7 avril 2044, ça va encore. Est-ce que je peux avoir du coup vous par exemple? Non, eux plutôt. Eux, ils ont 17,3 de delta V aussi. Est-ce que je peux l'envoyer sur le même point? C'est le 4 que j'ai envoyé. 61 semaines. C'est un peu long. Comment ça se fait que ce soit si long? Il y a un truc que j'ai mal vu. Pas possible. Hop, flotte Mercure. Transfert. 7 avril 2000. Ah, ou alors il attend jusqu'en 2044. Jusque au 7 avril. Au 7 avril. Est-ce que c'est qu'il attend? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû me contenter de les détruire et de les. Ça aurait été sans doute plus simple. Sur Callisto, enfin les T1, j'en ai plus grand-chose à faire. Bien, je vais m'arrêter là, après cette petite séance de nettoyage et de l'unification à tour de bras. What's the op? J'ai quand même une union d'Amérique du Sud qui commence à être carrément correcte. Il manque trois États. Trois États. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour les fusionner? Venezuela, 17 avril. Suriname, 17 avril. Pérou, 28 mai. Pérou, ce sera la fusion. Et Venezuela, Suriname, ce serait la confédération. Donc c'est quand même plutôt bien parti. Là, ça fusionne aussi. Et puis là, je vais m'occuper entre deux épisodes de faire toutes les déclarations de je t'aime pas, de rivalité. Et puis on reviendra leur taper dessus plus tard. Merci encore une fois à tous ceux qui font des commentaires et qui racontent un peu aussi comment leur se déroule leur partie. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!